Et salut à tous, c'est nouveau, bienvenue pour un nouveau jeu et pas des moindres. Bienvenue pour Corpse Party. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que vous êtes hypés pour ce jeu intégralement en anglais. Et ce jeu surtout, bien gore, bien terrifiant, bien tout ce que tu veux. Il est mondialement connu maintenant ce jeu, je crois. Et il n'y a pas de traduction FR, c'est triste. Nous sommes en live. Coucou Ange. Et nous commençons maintenant. Chapter 1, ouais, ça peut être pas mal. Donc j'ai pris victime extra. Waouh. Attendez, je vais voir vite fait la configuration. Ok, ça change rien. Screen mode. Ah, je peux me mettre en plein écran pour moi. Full screen. Vertical, screen fitting, etc. Ouais, je vois. Ouais, je vais laisser tout ça comme ça. Qu'est-ce que ça fait si ça me le met en plein écran? Je veux juste voir. Ah, ok, il me ferme le jeu, mais il me le relance pas. Il est gentil. Oh là là. Mon PC vient d'éternuer. Ouais, ça sera peut-être plus sympa pour moi quand je vais faire. Sauf que vous voyez plus le jeu. Je suis en train de tilder. C'est con? Comment ça se fait que vous voyez plus le jeu? Pourquoi vous voyez plus le jeu? Non, c'était pas ça. Game capture. Ah ouais, merde. Bah, du coup, je suis obligée de le jouer en petit en fait. Sinon, vous ne le voyez pas, bon. Eh bah, tant pis. On va repasser en. En Windowed. Windowed. Bon. Je suis tristesse. PC vient d'éternuer, oui. C'est quand il a un petit. Coucou, Orion! Je n'ai pas revenu pour vous. Pourquoi? Pourquoi? Si, c'est bon. Ouh, on va y arriver. Allez, on y go. Et bah, chapitre 1, new game. Oui, c'est parti. Alors, regardez l'opening du chapitre 1. Eh ben oui. Vous n'hésitez pas à me dire pour le son, hein, si c'est trop fort, si ça n'est pas assez. Tu noteras que je suis là pour le début cette fois-ci, c'est vrai. Comme quoi, c'est pas si mal que je fasse des lives tardifs en ce... de temps en temps. Coucou Sienna. Je vais pas très coopérative, non pas trop. Qu'est-ce que c'est écrit? Ah, j'ai pas eu le temps de lire. C'est un peu le bordel. I don't think... what? Attends, ça bougeait. Ça bougeait quand j'ai penché la tête. C'était très bizarre. Mais, I still have air with... Attendez, je blâme avec mon cœur. Quoi? Ah, c'était un soir où il pleuvait après l'école. Oh putain! Si les dialogues m'attendent pas, par contre... après avoir descendu les escaliers, le professeur avait disparu. Putain, j'arrive déjà pas à traduire. Ça commence bien. Et elle est morte. En gros, elle a couru dans les escaliers, elle est tombée, elle est morte. J'essaie de me rappeler du coup de moi ce que j'avais vu. En gros, l'endroit s'appelait l'Evenly Host Elementary. C'est pas longtemps après que ça soit arrivé. C'est pété la gueule de ce qu'il y a. Ouais, c'est ça, ouais. J'aime toujours de tout mon cœur, oui.
Coucou Nyomishima, excuse-moi. J'avoue que c'est cool que tu le fasses tardivement, moi qui rate toujours les lives, je peux enfin y assister. C'est vrai que le fait de... Coucou Overlord. Ah mais vous êtes super nombreux d'un coup. Il a été fermé rapidement les racines. Allez-y, je vous laisse traduire à ma place. Oui, oui, le manga, je l'ai regardé, mais en fait, je l'ai regardé il y a 4 ans, donc j'espère que je m'en souviens pas trop pour pas me faire ce... Enfin, pour pas me spoiler toute seule, quoi. Mais il était super bien, ouais. Je me rappelle dans l'intro, mais alors à vous traduire, c'est super chaud, donc je vais pas trop forcer. Je vous laisse lire, et puis voilà. Ah, le professeur ne savait pas qu'elle était morte. Il y a des gens qui disent qu'il y a héros d'accord dans les couloirs, je sais pas quoi. En gros, ça a été construit sur le site de l'école qui a été détruite. Ouais, je crois que c'est un truc du genre, ouais. Lui a été rasé, ouais. T'as vu, vous êtes tellement meilleur que moi, c'est un truc de fou, quoi. Je m'en rappelle trop bien, du coup, pas de spoil. Donc en fait, elle arrive quand c'est 7h. Tu vois, le bâtiment est plongé dans le noir. Elle toque. Knock knock. Pour entendre dans les ténèbres. Suivi du son de la porte de la classe qui s'ouvre. Et son pâle visage se découpe. Et elle pose la question, est-ce qu'il y a encore quelqu'un ici? Enfin, est-ce qu'il y a... Non, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ouais. Ça doit faire peur. Satoshi, yeah. A plus Overlord. C'est poutou. Elle apparaît toujours après une coupure de secours. Ouais, c'était pratiquement pareil. Satoshi. Oh. C'est juste une histoire, Boshida. Je traduis à ma sauce, hein, vous voulez pas. Naomi. Ah, quelle réaction impressionnante. Se fout de sa gueule, quoi. Yoshiki. Putain, j'ai rendu mal à l'époque après les noms. arrêtez de rigoler. Pardon. Ah, oh, c'est trop amusant. Tout le monde s'en fout de sa gueule, c'est super. C'était juste un mauvais timing, oui, parce qu'il a eu peur, en fait, de l'orage. Voilà. Tu as toujours les meilleures réactions. J'aime les histoires, Boshida, je sais pas quoi. Quoi? J'ai rien compris cette phrase. Seiko. C'est un remake? C'est possible parce que là le jeu me dit que c'est une version de décembre, du 19 décembre 2017. Donc oui, apparemment, c'est une nouvelle version, je suppose. Mais ils auraient pu mettre un truc en français, quand même. Hein. C'est Sacha. Coucou, Monsieur GLaDOS. Coucou, Ikari Miku. Qui a déjà entendu parler d'un délégué de classe qui, ouais, qui crie ou je sais pas quoi, enfin voilà, qui a peur. Ah, c'est sa gueule, quoi. C'est quoi ce bruit? Ah, sauvez-moi! Yosuke! Ils ont des têtes de bébé, c'est trop bizarre. Arrête d'être dans le trou du cul. Ok, ouais, vous allez pas vous battre du coup.
C'est marrant, il parle et l'instant d'après il parle plus en fait. T'avais pas envie d'être coincé ici, je sais pas quoi. Ouais, je vais pas tout traduire. Déconnez pas. Coucou, la voilà TV. Trop tard. Ah, c'est vraiment... Ah, c'est 7h. D'accord. Et il pleut en plus. Comme dans l'histoire. T'as pas pris de parapluie? Tu pourras prendre le mien? Vraiment? Merci, c'est adorable. What? Oh, une coupure de courant? Non, ça ne peut pas. Mais c'est pas un peu tard pour que quelqu'un se balade ici? Pas de sourire. Je pas de sourire. Est-ce que c'est parti? Satoshi, Satoshi, j'en peux parler. Est-ce que tu voudrais pas aller voir? Quoi, moi? Non, pourquoi? Non, je veux pas, je suis paralysée ici, mais mes jambes n'arrivent pas à bouger. J'ai peur aussi, je sais. Faudrait que je fasse des voix mec et des voix fille, sinon on va pas s'en sortir. Ces voix-là m'ont l'air insupportables par rapport à l'original, ça me stresse. Mince, bah je suis désolée du coup de vous proposer. Je crois pas avoir la version originale. Parce que ça, c'est la version Steam, mais je pense pas que c'est une version autre. Sur Steam. Désolée. Ah, faut que je bouge. Ah, voilà, là. Oh, d'accord. Allons ouvrir la porte. Est-ce que quelqu'un est là? C'est l'heure de rentrer à la maison, les enfants. C'est pas du tout la bonne voix, je crois. Ouais. Gotcha. Je sais pas ce que ça veut dire. Je crois que c'est Bou. Je crois que c'est genre Bou, ou un truc comme ça. Je crois. C'est Madame Shishido. Putain, mais ils ont des têtes trop chelous. Ah, je voulais juste... avoir du fun. N'importe quoi, ma traduction. Je t'ai eu, ouais, voilà. Ouais, je vous ai eu. Madame You. Tout le monde pousse un soupir de soulagement. Gotcha, je t'ai eu, merci. Heureusement que vous êtes là. Ah là là. Est-ce que je vous ai fait peur? Vous racontez des vieilles histoires de fantômes, c'est ça? Le timing était tellement bon, Madame You. Oh oui. Madame Shishido, vous voulez entendre l'histoire aussi? Ah bah oui, Oh oui, je veux, ouais. Après tout, j'ai été aussi étudiante ici, je sais pas quoi. Elle raconte sa life, voilà. Je me fais la trade. C'est marrant les espèces de dragons bizarres là, qui passent en dessous. Vous avez entendu l'histoire aussi. Ah oui, pardon. Oui. De quoi oui? Ah là, j'ai quelqu'un avec elle. Ah, Yuka. Bonjour tout le monde. Yuka, qu'est-ce que tu fais là? Yuka. Ah. Oh putain, la tête qui fait peur. Tu n'as pas besoin de te faire peur. Suda avait oublié son parapluie ce matin. Donc la petite Yuka est venue pour lui apporter. Oh, c'est trop mignon. Ah oui, pardon pour ça, Yuka, merci.
Un abo traducteur sur Skype. Ouais, mais non, ça galère après. Je vois plus des épées que des dragons, perso. Bah, au premier plan, moi je vois des dragons et après, ouais, peut-être des épées, ouais. C'est bizarre. Ah, content de te rencontrer aussi. Bon, de toute façon, c'est pas bien intéressant ce qui se raconte là. En gros, c'est la sœur de machin truc là. Oh là, t'as vraiment une. J'avais pas. En gros, je savais pas que t'avais une sœur aussi mignonne, Satoshi. よし、じゃあ助っ人が2人増えたことだし。さっさと文化祭の片付けやっちゃおっか。はい、じゃあみんなお疲れ様でした。OK, tout le monde, bon boulot. Ils ont rangé, je crois, non ? C'est ça ? J'espère que vous allez vous amuser pendant les vacances. Mais essayez d'étudier un peu. Je sais pas, faudrait faire quelque chose plutôt. Pas d'un festival. C'est plus la merde tout ça. Il raconte vraiment n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi, enfin rien de. Ça parle de chocolat chaud et tout, on s'en fout. Oh là, j'ai tellement faim, blablabla. Il y a trop de chocolat chaud maintenant. Le bruit quand ça crie. Merci, merci. De rien. Suzuboto. J'ai beaucoup aimé ton discours. C'est dur d'intégrer une nouvelle école, je crois, ou un truc comme ça. Mayu. Morishi. Oh putain. Oh les prénoms. Les prénoms. Je te connais, Suzumoto. Je sais que tu vas te faire de nouveaux amis. J'en suis sûr. Oui, pour pouvoir venir te voir, etc. Absolument. On s'en fout. Merci, merci à tous. Et grand frère, est-ce que cette fille va être transférée dans une nouvelle école ou je sais pas quoi? Oui, c'est ça. On s'en fout. C'est qui ce Suzumoto? Je sais pas. Il y a trop de monde, ouais, j'avoue. Naomi, c'est pas ton vrai prénom, je relance ce débat. J'aurais bien aimé, c'est un joli prénom. Et madame Shishido, avant qu'on parte... Si vous voulez qu'on essaie quelque chose, ça s'appelle... Ah voilà, à partir de là, je vais me rappeler peut-être un petit peu de ce qu'on avait vu, enfin ce que j'avais vu. Ça s'appelle le Sachiko Ever After. Je crois que ça s'appelait comment dans le manga? Ça s'appelait... Merde, j'avais le nom, ça y est, j'ai déjà perdu.
Je crois que dans le manga, ça s'appelait le charme de Sachiko ou un truc comme ça. Je crois. Coucou Wared. Mayonnaise. Oh là là, ça va aller loin, Chant. Si vous voulez, écoutez, je vous propose quelque chose. On est entre nous, on est bien. Voilà. Il est 23h30 et on parle de chocolat chaud et de trucs pas très intéressants pour le moment. On va essayer de trouver des petits noms. Faudrait que ça ressemble un peu à leur prénom pour pas trop se perdre. On va essayer de renommer un peu tous ces personnages, petit à petit, hein, pour s'y retrouver un peu mieux. Hein. Le charme de Sachiko. Ah, c'est ça, hein, je me suis pas trompée. Hein. C'est comme ça dans le manga. Hein. Et il me semblait que c'était ça, ouais. Qui est Sachiko? Et c'est quoi cette poupée en papier? Est-ce que ça a à voir avec des choses occultes? Alors, c'est un charme que j'ai trouvé sur internet. Si on fait ça, ben on sera pour toujours ensemble. Et on sera toujours des amis. Enfin voilà. En gros, c'est pour créer un pacte entre nous. Enfin voilà quoi. Oh, c'est un charme! Là. Est-ce que tout le monde est d'accord pour le faire? C'est la prof qui dit ça en plus. Si vous saviez ce qui va arriver à cause de ces conneries. Ouais, bien sûr! Eh, je suis d'accord avec ça. Ouais, un coup, ouais, trop cool, la charme! Oui, bien sûr. On s'en fout, peu importe. Naomi, c'est Nao. Et aussi, tu veux le faire, oui. Bah, lui, il a un prénom à coucher dehors, lui, en plus. Si la moitié meurt dans 5 minutes, non, mais voilà, on essaye de pas trop se prendre le chou, on essaye de trouver des... Parce que il me semble, si je dis pas de bêtises, si je me rappelle du peu que j'avais vu du jeu, qu'on va jouer un à un les personnages, donc on aura le temps de leur trouver des petits noms, quoi. Voilà. Et on va essayer de faire en sorte qu'ils ne meurent pas, parce que je crois que on peut essayer de les sauver, donc voilà. Bon bah allez, je te laisse la place, vas-y, fais ton charme. Ok tout le monde, on va faire un cercle autour de la poupée en papier de Sachiko. Et dans votre tête, répétez ces mots. Sachiko, we beg of you. Beg, je sais plus ce que ça veut dire. Merde. Le chat voulait son miam miam. Non, mais c'est très important. Ah, c'est voilà. Je crois qu'on peut sauver tout le monde ou tuer presque tout le monde. On va essayer de les sauver. À part s'il y en a qu'on n'aime pas, on essaiera de les tuer peut-être. On verra. Voilà. Donc dans votre tête, répétez ces mots, bref. 7 fois, 8, 9. Non, 9 fois. Déjà, elle est pas sûre. Donc Ayumi, déjà, elle nous dit de la merde, c'est bien. Elle est pas sûre. Supplie. Prie, demande. D'accord. Donc on t'implore, on te demande, on te supplie, voilà. Et sauf qu'elle sait pas exactement combien de fois on doit le dire. 9 fois apparemment. Ne vous inquiétez pas si vous trompez un peu. Juste, vous arrêtez pas de le répéter. Faut le dire. Ah d'accord, faut le dire une fois pour chaque personne présente dans la pièce. Pas plus, pas moins. Sinon le charme va. Va fail. Coucou Lord. La Nao de la nuit. Et oui. Oh putain, mon thé. Ok, c'est parti, tout le monde se souvient du charme. T'arrives quand ça commence, parce que là, il n'y a eu que du blabla tout à l'heure. Sachiko, on te prie, on te... Voilà, bref. 9 fois. Vous êtes prêts? C'est parti. Allez, répétez-le, les moignons. Sachito, Sachoti, ça... Je sais plus. C'est bon, je fail le charme. Non. Ok, tout le monde l'a bien dit 9 fois. Oui. Exactement, 9. Ouais, ouais. C'est bon. Ça choquille, ça chico. Je sais plus.
Ah, je sais plus s'il y en a. Oui, il y en avait un, ouais. Ah si, c'était dans Obscur. C'était dans Obscur, je crois, non? Dans le premier Obscur. C'était dans Obscur qu'on voulait essayer de tous les garder vivants. Et on avait raté, je crois, mais en plus à la fin, quoi. À la fin, on avait perdu deux personnages, je crois, je sais plus. Ok, alors, faut tous attraper un morceau de la poupée. Et je compte jusqu'à 3. À 3, vous tirez, donc 1, 2, tirez ! Pourquoi c'était rouge ? On a fait saigner la poupée en papier. Et ben voilà, maintenant c'est fait. Faut bien garder le bout de papier avec soi. Mettez-le dans votre. Avec votre carte d'étudiant, je crois. Ou dans votre sac. À un endroit où vous ne pouvez pas le perdre. Tant que vous aurez petit bout de papier avec vous, on sera toujours connectés. Tous ensemble. Ok. C'est le principe du charme. Moi, je dis deux survivants. Ils sont combien en tout? 9, c'est ça? Putain, ouais, 9. Putain, c'est chaud, il y a du monde. Hein. C'est chaud. Si on a déjà un, c'est bien. Vous êtes méchants. Non, moi je dis, on va essayer d'en sauver un maximum, mais s'il y en a qu'on trouve chiant, on les tue, hein. Pas de pitié. Ah, c'est vraiment cool. Super cool, mais non, mais c'est... Ouais, vraiment cool, non, c'est vraiment plutôt super cool. Ah, j'espère que je perdrai pas ma pièce. Mayu, donc c'est Mayu, c'est celle qui s'en va, hein. Essayez de trouver des petits noms là pour les personnages parce qu'il y en a beaucoup trop, des noms qui seront beaucoup plus simples à retenir et qui commencent à peu près par la même lettre ou tu vois, voilà. Audio, ouais. Merci Shino. Non, mais parce que Shinozaki, bon, je m'en souviendrai pas, bon, c'est mort. Ah, pas de problème, considère ça comme la promesse qu'on sera toujours ensemble, etc. Oh, définitivement! Parce que là, ce jeu, ça me dit quelque chose. On va tuer des gens. Tu vas avoir la même fin que l'animé, j'en suis sûre. J'espère pas, parce que je crois qu'à la fin, tout le monde crève justement dans l'animé. Malunise, on a dit. Ah oui, c'est vrai qu'on peut partir là-dessus. On peut partir là-dessus. Si vous êtes d'accord. Essayez de trouver pour les autres, du coup. Alors, je déteste de dire ça, mais je pense que c'est le temps de rentrer chez soi. Oui, madame. Et là, le jeu commence enfin. Un tremblement de terre ? Ouais ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mon frère, j'ai peur ! Lucas, prends ma main ! Tout le monde, restez calme ! Mettez-vous en dessous des bureaux. Hayaku ! Dépêchez-vous ! Oui, le jeu commence ! L'étage ! Tout le monde attrape quelque chose, si vous pouvez ! Donc, je sais plus ça, poète. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça ne peut pas ! Je ne vois rien. Naomi, où es-tu ? Satoshi ! Ces conneries. Non mais ça va être encore plus chiant à dire. Oui, franchement, l'animé, je vous le conseille. Hein. Il est vraiment bien. Parce que je m'en rappelle. Ouch! Donc on commence avec Naomi, apparemment. Ma jambe! Je ne peux pas bouger. Je suppose que c'est un sprain, je sais pas ce que c'est. Ah! Je suis pas à la maison, je suis où? Ça ne peut pas. Oh, on va pouvoir jouer! Il fait
fait si sombre. Je vois pas grand-chose. Est-ce que c'est l'école? Salut. Qu'est-ce que c'est cet endroit de merde? Ah! C'est quoi ça? C'est une planche en bois, d'accord. Tu veux pas en faire quelque chose? Ok. Est-ce que je vais tomber? Je crois que je peux pas passer en fait, ouais, non. Je vais être obligé de sortir. Il fait vraiment. Ah merde, il fait vraiment sombre dans le couloir, donc je préfère d'abord regarder cette pièce. Oh enfin, non, c'est pas. C'est. Oups, putain. Seko! Ah, c'est pas bon. Mais comment je passe? Merde. Et là, je peux toujours pas prendre la petite planche, là. Donc, je peux le faire voir. Très bien. C'est quoi? Mais pourquoi elle ne m'entend pas? Est-ce qu'elle est un petit peu assommée, je crois? Je peux pas sauter par-dessus le bureau. Enfin, je sais pas, c'est pas non plus... une pyramide, le truc, hein. On peut monter. Tu ne veux toujours pas sortir. Ah, si. Putain, ça me fait peur. Coucou prédateur. Ah, ça fait vraiment mal. C'est my uncle, c'est la cheville, si j'ai pas de bêtises. Seiko. Bouge les chaises, ouais, j'avoue. C'est. Dieu merci, elle respire. C'est quoi les secours avec toi? C'est Koya! Non, c'est croulé par terre. Putain, moi je suis Naomi du coup. Bah putain, j'ai intérêt à pas suivre mon personnage parce que sinon je suis dans la merde. Hein. Oh merde, j'appuie plus vite que mon nom. Me dis pas what's up comme ça. Je pensais que t'étais morte. Hein? Mais où? Où on est? Qu'est-ce qui se passe? T'as les longues à la détente, c'est quoi? C'est ce que j'étais en train de demander. Vous entendez bien? Vous voulez que je monte le son du jeu un peu? Ou c'est trop fort ou non, c'est bon? C'est cool. Ah là là. Les fenêtres sont fermées. Enfin, je crois. Il fait très sombre dehors. J'arrive pas à voir ce que. Enfin, à comprendre ce que je regarde. Mais qu'est-ce qui se passe? Au pire, on peut aussi se mettre chacun à la place d'un perso, il y aura sûrement des oubliés. Oh, on peut si vous voulez, hein. Si vous voulez. Genre, Siona, c'est Seiko, je sais pas, parce que ça commence par un S. Enfin, ouais, on peut faire ça si ça vous plaît. Moi, je suis Naomi. A priori, ça semble le plus simple. Mais ouais, ça, si vous voulez, ça peut être drôle. Comme ça, quand il y en a un qui meurt, enfin, non. Ah, c'est clairement une école abandonnée. C'est quoi, c'est Chris? Pourquoi? Ah, les bureaux sont vraiment petits, trouve pas? Comme une école élémentaire, donc une école. Une primaire, je crois, non? C'est. Elementary school, je sais plus quel. Par rapport à quoi c'est en France. Comme vous voulez, allez-y, décidez ça entre vous et dites-moi. Une petite école, ouais, je sais pas comment dire. Ça ne peut pas. C'est l'histoire du début. Merdouille. Je suis Yoshida alors. Ok, ça marche. Oh, la musique est cool.
Qu'est-ce qu'il y a? Cette feuille sur le mur, ça dit Heavenly Host Elementary. Donc l'école dont on parlait dans la première histoire. Heavenly Host. Donc là où il y a un professeur qui est mort. C'est pas. Oui, voilà le. L'école du précédent Kizaragi Academy. Mais il a pas été démoli ce bâtiment. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis devant des rêves. Bon, c'est quoi, elle m'a dit beaucoup en tout cas. Mais où sont nos amis et Madame You? Qui va être Madame You? Calme-toi, Seiko. Putain, Seiko est chiante. C'est qui, Seiko, du coup? Calme-toi, Seiko. Désolée. Seiko, c'est pas de la main, je crois. Et pour la première fois de ma vie... C'est Naomi qui parle, là, je crois. Mes dents... Ouais, j'ai entendu mes dents claquer. De me dire moi-même que c'était un rêve ou un horrible cauchemar. Mais peu importe ce que je faisais, j'arrivais pas à me réveiller. Et le silence est arrivé. Fallait que je fasse quelque chose, hein, quelque chose. Que je dise quelque chose, plutôt, je crois. Et j'ai aucune putain d'idée de ce qui se passe. Bon, on devrait essayer de trouver un chemin pour ouais, pour sortir. Bonne idée, j'ai l'air assez intelligente, ça va. Wouh. C'est quoi ces cris, ce qui marche? Un chemin pour sortir? Chris, t'as l'air un peu un peu chelou. Allez, on a besoin de faire quelque chose, tu comprends? Je vais pas rester dans cet endroit plus longtemps, voilà. Mais les fenêtres sont fermées. J'arrive pas à savoir si elles sont coincées ou fermées. Ah oui, ça c'est chelou. En gros, elle dit que les fenêtres ont l'air de décoration sur le mur, qu'elle pense même pas qu'on puisse essayer de les ouvrir. J'avoue, c'est super bizarre. Je me dévoue pour Satoshi. Satoshi, c'est le mec à lunettes. Je vous laisse débattre hein, entre vous. Hein. Je vous laisse choisir. Est-ce que c'est au moins possible de sortir de ce bâtiment? Je suis pas sûr. Il doit bien y avoir une porte de sortie ou quoi que ce soit. Ouais, de toute façon, il faut regarder. Elle a raison, Naomi. Il faut faire quelque chose. Enfin, j'ai raison. Ouais, ça serait mieux que d'attendre là. Allez, bougeons. Laissez-moi jouer. Voilà, d'abord, sortons de cet endroit-là, de cette pièce. Je crois qu'elle y était dans le manga, cette musique, non? Je sais plus. On va regarder aux alentours, ça. J'ai peur. Trouver un endroit ensemble. Oui, c'est bien, t'as le bon esprit. Voilà, on est arrivé à remonter le moral de Chris. je crois pas trop à ce que je viens de dire. Peut-être que je pense que je délire pour être honnête. Et j'ai pas envie de devenir folle. Si je commence à crier, je vais devenir incontrôlable. Et dans le désespoir, je préfère. Faire quelque chose, je sais pas quoi. Qu'est-ce qui se passe? Caractère, introduction. J'ai eu l'œil sur le caractère et presse pour en savoir plus sur eux. Wouah!
On n'a pas fini là, hein. Satoshi Moshida, 17 ans. Il fait partie de la classe 2-9. Ouais, il est populaire. Bon, je regarde très rapidement. Hein. Il est un peu timide. Il est ouvert. Il est naturel. Il a une relation avec Naomi, non? Pourquoi? Bref, on s'en fout. Naomi, elle a 16 ans. De 9 aussi. Quand elle fréquente Satoshi, et elle dit souvent « Oh non, pas toi encore !» Elle a perdu son père il y a 5 ans. Là, elle est optimiste et elle est forte. Elle est intéressée par le nursing, donc par la garde d'enfants, je crois. Ah non, elle veut être... Non. Par être infirmière, je crois. Elle va être acceptée en école médicale. Comme ça, voilà, vous pouvez faire le choix des personnes, du coup. Ah bah, je peux pas cliquer sur elle, je sais pas pourquoi. Pourquoi ça marche pas? Ah si. Alors, Madame Yu, ah, elle a 23 ans, mais elle est pas bien vieille. Donc c'est la plus jeune, professeur. Passionné par son travail, blablabla. Aime beaucoup ses étudiants. Ok, j'essaie de faire ça vraiment rapidement. Alors lui il a 17 ans, enfin, de toute façon ils sont tous partis de la même classe. Il est sarcastique et cynique, super. Mais il est juste honnête, voilà. Là. Donc ça c'est Ayumi, elle a 17 ans. Elle aime bien les histoires de fantômes. Elle lui dit des bougies et elle raconte des histoires de fantômes. Bon, bref. Elle a la réputation de se cacher derrière un masque, je sais pas quoi. Bref. Ok. Allez, encore deux. Alors, Yuka, 14 ans, la petite sœur de Satoshi. C'est une petite princesse. Blablabla. Et la dernière de Seiko, 16 ans. Elle est de nature généreuse. Sa mère a disparu il y a 3 ans. Elle les a laissés avec ses 3 petites sœurs ou petits frères, je sais pas. Elle s'occupe de la maison. Alors, elle est souvent avec Naomi. Ok, c'est parti. Oui, retour de game. Tu me tues pas, Naomi. Je vais essayer. Coucou Cranky! Allons-y, Naomi, c'est parti! Ok! Oui, on joue, putain! Alors, c'est là, il y a combien de temps? Il y a une heure? On joue enfin, putain de merde! Putain, c'est la notice à Kalou tout à l'heure! Attends une seconde. Quoi? Hic! Un autre tremblement de terre! Nyon! C'est fini? Phew! Oh, j'en démarre! Bon, allez, essayons juste de sortir. Ah! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a pas? Le couloir, il est complètement différent de tout à l'heure. Ah bon? Peut-être que le tremblement de terre a fait plus de dommages, je sais pas quoi. Peut-être. Ah oui, en effet, c'était pas comme ça tout à l'heure, je crois, non?
bien un fluide jaune. Qu'est-ce que c'est, du pipi? Ah, mais dis pas ça. Ok, super. Et doum doum doum. Le spa sauté, c'est un peu trop loin. Et est-ce que je peux toujours pas la récupérer là? Nomi? Et quelque chose à mettre avec la jambe? Ah oui, j'ai dû me la froisser. J'avais pas dormi. J'ai dû me sprain my ankle, froisser la cheville ou un truc comme ça. Oh non, c'est pas bon, est-ce que ça va? Je peux marcher pour le moment. Ok, mais tu... Faut pas trop que tu pousses non plus, ok? Ok, merci, je peux pas. Ouais. Tu peux t'appuyer sur moi, un truc comme ça. Ah! Ah bah oui! Bon, j'ai une planche en bois, on va pouvoir passer le trou. Ah, mais on va aller là aussi. Et là, oui, on peut peut-être utiliser la planche qu'on a trouvée. Elle pourrait peut-être supporter notre poids. Comme un bon. Tout risky, try it. Bah oui, vas-y. Putain, la musique qui s'emballe, quoi. Il a peur de mourir, c'est ça? C'est dit, t'as pu tomber les poils. Il y a une bougie. C'est une bougie. C'est un lieu de sauvegarde. Oh oui. Oh oui, le sauvegarde, c'est beau le sauvegarde. La musique, calme-toi la musique. Qu'est-ce que c'est que ça là? Ah, c'est des petites chaussures. C'est vraiment une petite école. Ouais. Ah, You et les autres doivent tellement avoir faim maintenant. Ah, je crois qu'elle part de ses sœurs ou je sais pas quoi. Ah, ton papa travaille tard, hein, c'est ça. Fou! Ah. Ça part de la famille là, c'est fille. Ah, t'es vraiment super, c'est cool. Une bonne maman, je crois. J'aimerais juste retourner auprès d'eux. Et ta verte doit t'attendre, Naomi. On va arriver à te sortir cet endroit. Oui! Donc la porte est complètement fermée. Eh! Qu'est-ce que c'est? Ouf! Oui, c'est pas bon! Ça ne bouge pas! Je pense pas que ça va quelque chose de coincé. Voilà, on est tellement près, d'un côté si loin. Ouais, c'est toi notre chemin, notre endroit. On s'en fout pas de ma vie, j'ai une vie passionnante. Je peux pas passer par là? La musique est très entêtante et très joyeuse, je trouve, par rapport à ce qui se passe. Ça, on est d'accord, c'est des fenêtres, c'est pas des portes. Ah. Est-ce que je pourrais récupérer la planche, peut-être? Ça, on va pouvoir la mettre en haut. Vous avez la petite planche en bois. Thank you.
se passe? Hip? Ah non, help me! Nanikoto? Eh? T'as dit quelque chose, Seiko? Mais? C'était pas toi? Ouh, j'ai ressenti une présence. Oh d'accord, quelqu'un a cloué l'étage! C'est pas gâteau quand tu parles au jeu, j'avoue! Cette musique est trop redondante. Ah, ah, ça fait du bien quand on sait qu'il y a la musique, quoi! Qu'est-ce qui va pas, Naomi? Regarde! Là-bas! On dirait des os! Ne dis pas que c'est les os de quelqu'un! Coucou, Sotiran! Yeah! D'accord, pourquoi? Pourquoi il y a des gens morts ici? Attends, attends, je vais regarder un petit peu le plus près parce que je trouve que c'est pas assez dégueulasse comme ça. Peut-être que c'est pas réel. Ah oui, regardons le plus près. Je pète d'impatience de regarder ça de plus près. Et c'est vraiment des autres quelqu'un? Non! C'est quoi? Vous deux! Qu'est-ce que c'est, une petite flamme? Vous êtes les nouvelles victimes, c'est ça? Un fantôme! Qui êtes-vous? J'étais venu ici et j'ai été confiné comme vous. Oh là là, on a le choix des réponses! Confiné? C'est où ici? On sait où c'est, on sait que c'est l'école. L'école de la. Enfin, j'arrive pas à la fin. non, tu arrives. Ça fait une heure qu'on est dessus, mais le jeu commence tout juste. Oui, on sait où c'est. On sait que c'est l'école de l'histoire, là. Donc on va dire plutôt... Confiné ? Vous voulez dire qu'il n'y a pas de chemin pour sortir ? J'ai bien peur que d'eau. Ah, d'accord. Oh là là. L'école existe dans une autre réalité qu'elle a d'autres. Dans un autre monde. Donc, vous voulez dire qu'on est coincé? Oui, on est. Hein? Ils vous ont pris. Ils ramènent toujours des nouvelles victimes dans cette école. Des innocents. Après, ils sont tous coincés ici. Ils sont obligés de passer tout leur dernier jour dans cet enfer. Je suis pas un Thanos. Quoi? Ah, parce que t'avais dit que tu serais le prochain personnage. Oui, mais le prochain personnage vivant. Mais c'est qui ça, il? C'est une malédiction. Avec des couches multidimensionnelles. Ouais, c'est des différents couches d'existence, les unes sur les autres, enfin, je le dis très mal, mais bref. Créé par le pouvoir, la vengeance des esprits. Un closed space, un espace fermé. Peut-être des espaces fermés. Vous êtes les malheureuses victimes... Des endroits, des espaces fermés? Oui. Vous n'êtes pas les seuls à avoir atterri ici. J'en ai senti de nombreux autres. Quoi? Ça veut dire que tout le monde, en fait, s'est retrouvé ici. Sauf que vu qu'il y a plusieurs couches de réalité, voilà. On sait pas où ils sont, quoi. Est-ce que j'espère que ils vont bien. Donc nos amis sont dans cette école aussi. Je ne sais pas exactement quel nombre. Mais ils sont peut-être dans d'autres espaces que vous, en fait. Et ils sont ici. Oh mon dieu, mais c'est une bonne nouvelle, Naomi, on n'est pas seuls. C'est une bonne nouvelle pour eux, hein, dis donc. Coucou Misato.
À live FR sur Corse Party, c'est rare. FR, on essaie de traduire comme on peut, c'est un peu galère, mais voilà. on essaye. Mais c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de dialogues en plus et que je suis pas très très forte en anglais. Mais bon. On fait ce qu'on peut, mes abonnés sont là aussi pour m'aider. c'est ce que. Ah, ça a l'air que Moshida est là aussi. Qu'est-ce qu'il y a, Pépette? Ah, c'est beaucoup mieux maintenant, non? De toute façon, vous pouvez pas les rencontrer. Ah oui, c'est ce qu'il expliquait, il y a plusieurs espaces fermés différents. Et oui, donc ils peuvent très bien être dans une réalité autre que nous. Enfin, c'est espace fermé, ouais. Je sais pas comment expliquer ça un peu mieux, mais je pense que vous avez compris. Coucou Dark Diablo, j'arrive pas à parler. Si vous voulez, si vous espérez voir vos amis... Ouais, faudrait aller dans l'espace où ils sont, en fait. Au moins, vous pourrez mourir ensemble. Ouais! Mon Dieu, il n'y a vraiment pas moyen de sortir d'ici. Il a dit qu'on a été amené ici par des esprits vengeurs. C'est ça? Qui sont-ils? Et pourquoi ils nous font ça, quoi? Je ne sais pas ce qui les motive. Mais personne ne peut échapper à cet enfer. Si vous faites suffisamment d'efforts, vous pourrez survivre quelques jours ensemble. Dans cet espace. Mais ça a l'air joyeux, tiens. Deux têtes sont mieux qu'une. Votre chance et vos opportunités sont grandement améliorées si vous restez ensemble. Donc, il faut qu'on reste ensemble. Ça, c'est voilà. Hein. Faites ce que vous pouvez pour essayer de trouver un endroit pour sortir d'ici. N'abandonnez pas comme nous. Oup. Oh, il y a un autre fantôme, mais qui a une forme beaucoup plus définitive. Non. Oh, merde. Je découvre en même temps, oui. Hic. Enfin, j'avais vu le manga, mais il y a très 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 longtemps. Nami, cours. On va sortir d'ici maintenant, ok. Laissez-moi jouer! Ah, il y avait un truc qui s'écoulait sur le tableau. On a vachement couru! Est-ce que ça va, c'est court? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le fantôme d'un esprit? À l'esprit d'un enfant? Je fusionne avec Nao! J'avoue! Nos deux personnages ont fusionné. J'avais jamais vu de fantôme avant. Bah si, on en a vu un juste avant qui ressemblait à une flamette, ok, mais on en a vu un juste avant quand même. Qu'est-ce qui se passe? Il y a vraiment des fantômes ici. C'est la première fois que j'en vois comme ça. C'est une course effrénée, dis donc, oui. Ah, tu l'as vu toi aussi, hein? Oui. Et on a parlé avec lui. Sauf que j'ai rien compris à ce qu'il a dit. Amusez-vous bien, j'aime beaucoup l'histoire, mais elle est relativement complexe. Je serais bien restée, mais il est minuit, je vais dormir. Ça marche, pas de soucis. Bah, merci beaucoup. Et puis, bah, passe une très bonne nuit. À toi. Et puis, à l'occasion, hein, repas si tu veux. Ça va pas être simple de sortir. On est coincé ici. Ça va aller. On va juste, faire marcher deux têtes en même temps ou je sais pas quoi. Bon, c'est comme ça. Et bah, moi, je veux mourir alors je retourne dedans. Ouais. Oh, en plus, il y a une sauvegarde. Oui. Bim. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué sur le tableau? Et
Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'était là avant? Je crois pas, mais c'est juste une image, non? Enfin, un dessin. Ah merde, oh merde, oh putain, j'ai passé la description. Alors c'est, il y a une paire de ciseaux qui poursuit des petites figures. Et super. Aide-moi! Aide-moi! Ah, il y a sa carte d'étudiant. Misato, municipal, gouvernement, senior, high school, classe 3-4. Il s'appelle Yoshiyuki Shinohara. Name tag Akireg. On est reparti sur cette musique beaucoup plus joyeuse. Ne courez pas dans les couloirs. Promis. Même si un fantôme, je ne courrai pas. C'est joué. C'est fermé. Admets-le. Tu déteste tous tes amis. Tu pourrais en tuer un même. Pardon. Oui, bah oui, moi je l'ai vu avant vous, mais bon. Ah mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il y a des bons bruits de bouche. On dirait que quelqu'un s'est craché sur le mur. À une vitesse surhumaine. Vous finirez par vous enfoncer. Ouais. D'accord. Pardon. J'ai dit la merde. Oh, ça sent la viande. Ça sent le bon steak. Ah non, je vais vomir. Ah, oh, je suis désolée. Est-ce que ça va, Darby? Chris, apparemment, tu supportes bien. Les bruits de bouche pour pas se casser, j'ai mis chez moi. Ah, ça va! Juste, voilà, éloignons-nous. Ok! Ah, fermé, oui, c'est fermé. Et ça, c'est quoi? C'est rien du tout. Ah, y'a une autre planche là! Oui! Pourquoi c'est flippant? Je veux la marche à un objet. Ça a l'air terriblement grand. Il y a un autre corps. Super. Il y a plein de petits bouts de papier, à côté du corps. Il y a qui ont été lâchés là au moment de la mort. Je suis dans la classe 5A, tout va bien, rejoignez-nous. Non, je veux pas. C'est une femelle. On arrive à voir ça au zoo. Apparemment elle s'est écrasée ici, je crois. Et on retrouve encore sa carte d'étudiant. Elle s'appelle... non. Seiya Academy for Girls, ça c'est... je peux t'en dire le nom, je crois. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont été reconnues ici. Je me demande combien. Est-ce que
Attendez. Oh là là. Il y a tellement de trucs là. Suspend. Cool. Je voulais voir si je pouvais juste baisser le son de la musique qui est extrêmement fort. Mais bon. Na, na, na. Ah, il y a un autre fantôme là. Coucou. Si vous voulez quitter cet endroit, vous devez prendre les messages que les autres ont, les victimes ont laissé derrière eux. Ça fait mal, ça fait tellement mal. Ok. Oh, c'est Boots. Oh, ça fait du bien que la musique se calme, nom de Dieu. Oh, il y a un truc là-bas. Et tu le vois pas, là? Tu peux pas mettre la... Pardon, la planche. Non. Sors. Peut-être passer par... Ouais, par là aussi, ça marche aussi. Putain, la musique s'est barrée, du coup, c'est terrifiant. Hein? Mais attendez, l'objet a changé de place. C'est quoi ce délire? Alors, c'est le squelette d'une fille. Il y a un gros trou dans son... dans son squelette. Putain. Azuka Kato. Et il y a une lettre dans sa main. Tu es un idiot, Kwaito. Si tu ne peux pas croire avec ton cœur, et ben... Tu seras jamais Rescue. Ah, j'ai oublié le nom. On sera toujours amis. D'accord. Oh, bonjour. Attends, si tu gardes pas les yeux fermés. La lumière continuera de run plus loin de toi. Fais attention à sa location. Trouve exactement où elle est. Ok, attends, je crois que ça m'indique comment récupérer ce machin là qui arrête pas de bouger. Ouais, quand on revient ici, il saute de l'autre côté. Faudrait qu'il y en ait un d'entre nous qui attend ici. Ah, c'était à quel endroit que c'était? Ici, là? Je sais plus. Et comment je dis à... une des deux d'attendre là? Sauver, oui, voilà, merci. Attendez, là, elle est où? Elle est là-bas, là. Il faudrait qu'il y en ait une qui se mette ici, quoi. Il n'y en a pas une qui peut attendre là? Si tu ne gardes pas un œil sur elle, la lumière continuera de te fuir. Bah ouais, mais on peut pas traverser là. Est-ce qu'on pourrait mettre une planche? Et j'ai une planche en plus dans mon inventaire. Eh! Allô? Et là, ici. Merde. Ah, il y a des copains pas.
Faut laisser un perso là-bas. Ouais, c'est bien ce que j'ai compris, mais je sais pas comment on fait. Attendez. Tu peux pas... Si, si, bah, c'est ce que je veux faire, je sais juste pas comment on fait. Tool, loose bar. Ça, c'est, ouais, c'est l'objet qu'on a pris. Tu peux l'utiliser de toute façon. Victime. Ah, fait, ouais, voilà la vache, ça fait déjà une heure qu'on joue, quoi. Je sais pas comment on fait. Suspend. Suspend, j'ai peur qu'on quitte le jeu en fait. Non, non, regarde, ouais, non, ça nous fait retourner au menu. Mince. E, ça me fait pareil. P, je sais pas ce que je touche. Ah, ouais, je sais pas que quoi qu'on fait. Attends, je vais essayer d'aller reparler à la flamme bleue. Non, elle me dit la même chose. Elle me dit... Attends. Trouve l'endroit exact où elle est et examine... Bah oui, bah c'est ce que j'ai fait. Alors c'est peut-être de l'autre côté qu'il faut le faire. Ouais, c'est de l'autre côté. Merde, je suis rentré dans la pièce. On va y arriver. Surtout nos padigos. C'était par là, là. Ah oui, c'était là que tu étais. Je crois, oui. Ok. Ah d'accord, donc ouais. Et là maintenant... On va aller de l'autre côté. Oui! Il a disparu. Bah, c'était là pourtant qu'il était, le truc. Qu'est-ce qu'il me raconte? Je crois que c'est peut-être un peu plus là en fait. J'espère que Chris va pas se faire buter. On croise les doigts. Non, il va redisparaître. Non, c'est bon. Oui, on l'a ramassé. Je l'ai eu. Oui, je l'ai. Bien joué. Je me suis TP. Ah, qu'est-ce que c'est? La clé de l'orfèvrerie. Oui. On fait vraiment une bonne équipe. Il n'y a plus la musique. Alors c'est reposant pour les oreilles, mais c'est flippant. Du coup. Par rapport à ses cheveux et à son uniforme, je dirais que c'est une femelle étudiante. En fait, bonne équipe, Chris. Ah, le tendon de ma cheville a été coupé, Berk. Ça n'arrête pas de saigner. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. C'est quoi ce petit regard qu'elle lui a lancé? Custodienne closet, je sais pas ce que c'est. On dirait une décoration un peu comme les fenêtres, ça s'ouvre pas. Mais il y a un bruit derrière comme le truc d'une télé ou je sais pas quoi. Ok, bon, allons à l'infirmerie. L'infirmerie, je peux pas descendre. Je viens de lire ce qu'il faut faire pour que tu ne meurs pas. Ouais, c'est pour ça.
pensais qu'elle allait lancer un drôle de regard, genre oui. Ok. La musique, c'est vraiment un peu. Basement. Elle est complètement shit. Ne rentrez pas, directeur, je sais pas. La tête tourne. Hey, je peux pas le prendre, je peux pas le prendre, je peux pas le prendre. J'ai vu une ombre noire. Elle n'a rien dit et elle a tué tout le monde. Je suis désolé, je suis vraiment désolé, tout le monde. Et le reste est plein de sang. D'accord. Ok, on a un nouveau nom. Ah bah c'est Kwaito, on en avait entendu parler de Kwaito. Allez, l'infirmerie, c'est parti. C'est là, je crois. Ah, c'est pas là. Infirmerie, oui. La porte est ouverte. D'accord. Il y a une sauvegarde. Oh, il y a des lits. Non, j'en ai. Il y a une paire de ciseaux. Il y a pas les pleins de sang. Il y a un vieux journal sur le bureau. Je ne se tourne pas. On dirait qu'il avait fusionné avec le truc du machin, du bureau. La lampe ne marche pas. Faut tout regarder. Plein de médicaments. Il y a de l'alcool aussi. Je pourrais prendre une ou deux bouteilles pour avec moi. Pour moi. Mais ouais, je vais peut-être me couper ou je sais pas quoi. De toute façon, je compte pas rester ici. Est-ce que c'est un poêle? Ah, il y a une boîte d'allumettes. Bah oui. J'ai une boîte d'allumettes. Et j'ai une sauvegarde surtout. Oui. Mais c'est tout? Bim! T'as fait, d'accord. J'ai rien trouvé de plus. Est-ce que j'aurais loupé un endroit? Je crois pas. Hein. Je peux pas mettre ma planche genre là. Tu as parlé? Ah, ça fait mal, ça fait tellement mal. Oui, Chris perdu, bah oui. Il fallait bien que ça arrive à un moment donné ou un autre. Attendez. Putain, mais c'est terrifiant. Qu'est-ce qui s'arrête d'un coup? Ah, attendez, on a la clé de l'infirmerie, c'est bien pour faire un truc. Parce qu'on a trouvé les allumettes, mais c'est tout. Vous voulez pas, je sais pas, faire des bisous. Faire des bisous. Il n'y a pas d'eau. Ah, j'ai soif. Merde, je vois pas ce qu'il faut faire du coup.
J'avais loupé des trucs avant, là. Qu'est-ce que c'est? Attends. Mais c'est les escaliers, là, qu'on voit, non? Ah, on entend les mouches, c'est horrible. Et là, là, je comprends pas ce que c'est. Ah, mais il y a une porte, là, aussi. Sans slab. On va y aller. Ok, lavez vos mains au savon, ouais! Merci le jeu! T'en as une autre? Ah, c'est un diagramme anatomique d'un corps humain. Quand vous regardez de plus près, vous pouvez voir quelqu'un qui a marqué des trucs. Le nom des organes avec. Et du sang! Au nord et se servir de la planche. Où est le nord pour toi? Par là, là. C'est vrai qu'on a toujours la planche, ouais. Ah bah oui, bah là. Oh bah oui. Yeah. On a rencontré un fantôme. Pas grand chose, ouais. Merde, il y a un fantôme qui nous suit. On arrête pas de trouver de nouveaux cadavres. C'est super. Ah, Dieu, sauvez-moi. Sacha. Shinonome. J'arrive pas. Voilà. Là, vous avez une boys room to the left, girls room at the end of the world. Oh, ça fait du bien quand la musique se calme. Ça, dans les chiottes. Oh non, ça, c'est flippant. Fermez cette putain de porte! Totalement normal. Et qu'est-ce que c'était que ça? Un fantôme qui vient nous claquer la porte des chiottonnés. Ça doit être une hallucination. Ça ne le refait pas, d'accord, très bien. Ah, ça sent l'ammoniaque. Oh, super. En même temps, qu'est-ce que tu fous tourner là-dedans? Quand vous tournez le robinet, il n'y a aucun d'eau. Il n'y a pas d'eau qui sort. Quoi. De quoi? C'est complètement. Oh, il y a plein de cheveux noirs dedans. Berk. Super! Oh, il y a de la viande. Identifiable à l'intérieur. Ouais, avec plein d'asticots. Trop bien. Putain, ils ont fait une description pour chaque lavabo, quoi. Ok, y a pas d'eau non plus. Ah bah non, en fait, c'est les mêmes descriptions que tout à l'heure. Là, il y a des cheveux noirs dans celui-là. Et celui-là, je dis juste qu'il n'y a pas d'eau. Oula, il y a beaucoup plus de toilettes ici. J'ai peur. Ça se voit pas.
Ok. Ok. Très bien. Ouais. Naomi. Oui, Chris. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Quoi? Est-ce que t'as ce médicament pour le cul avec toi? Par chance? The smelly stuff, je sais pas ce que c'est. Quoi encore? Mon cul a pris en arrivant ici, je sais pas quoi. C'est quoi cette conversation quoi? J'ai une crème antibactériale si tu veux, je pense que ça va marcher. Ah merci! Ah je vais en mettre sur mon cul, ça va être trop bien. What? Wow! T'as vraiment aucune honte de ça? Super! Du coup, j'attends quoi qu'elle s'entartine le derch? Sans plus, j'ai du sec, ouais, c'est un peu ça. Ouais. J'ai trop du sec, s'il te plaît. C'est ici qu'elle est rentrée? Je vais la faire chier pour qu'elle se fout sa crème. Bah, elle est allée dans le truc qui est fermé? Ria? Je regardais juste si t'étais bien là. Mais elle en a pour combien de temps à se mettre sa crème? Eh bah non, me spoil pas, Chris! Me spoil pas! Ok, mais je vais faire rien. C'est Luca, c'est ça? Luca qu'on entend. C'est Luca, ouais, c'est ça. On entend Luca. Rien à foutre de Seiko. Oh merde, je dois retourner en arrière pour aller chercher Seiko. Mais oui, mais... Seiko, bouge le cul. Seiko. Seiko. Désolée pour l'attente. Merci pour la crème, Naomi. Pas de problème. Et attends, mais oui, mais voilà, cette porte, elle était pas ouverte. Enfin, elle était fermée tout à l'heure. Hein? Elle était fermée tout à l'heure, quand on est venu. Quoi? Non. Ok, c'est bizarre. Ah oui, j'ai entendu la voix de Yuka dans le couloir. Je pense que ça venait des escaliers. Vraiment, allons voir. Ok. Qui s'est passé? Mon jeu était tout noir. Ah bon, c'est pas gris, c'est ça quand même pour lui. Aïe! Ouf! Oh non merde, je vais crever, ça y est! Ça vous dit que je suis Yuka, je pleure. Ah, ma jambe! Merci de m'avoir tenu la main, enfin de m'avoir attrapé dans la main, pas de problème. Il dirait que ta cheville va vraiment pas bien. On va trouver un endroit pour se reposer. Et t'as probablement raison. Allez, je t'en donne une, c'est cool. Ah, ne dis pas n'importe quoi. Du coup, faut trouver à l'infirmerie peut-être, non? Il y a des lits à l'infirmerie. Pardon. C'était où l'infirmerie? Ouais, je sais. On va goûter Oh mon dieu! Elle a marché dedans! Quelle horreur! Ah quoi?
Regarde, il y a un petit peu de tissu, peut-être que tu peux enlever les petits morceaux. Ah, c'est vraiment les restes de quelqu'un. Ah, j'ai marché dessus, j'ai marché sur quelqu'un. Ah, il y en a plein sur... Ah. Il y en a plein sur ma godasse, c'est tout. Et il y a beaucoup trop d'informations, arrête, ça suffit. Ah, désolé. Ouais, quel charmant endroit pour se reposer. Du coup, on peut se mettre sur les lits, c'est ça? Eh ben voilà, parfait. Ils sont surprenamment propres. Ah bah c'est bien. Ah, je pense que je peux me reposer un petit peu ici. Ah. Tu marches n'importe où, Chris. Tu aimes bien te mettre dans le coin comme ça? J'ai toujours préféré les petits coins ou je sais pas quoi. Enfin, sur le bord du lit, enfin, bref, vous avez compris quand même. Vous savez, il y a toujours le coin du mur et le coin pas du mur, et ben voilà. Préfère le coin du mur parce qu'elle se sent... En sécurité, je suppose. Ah, je vois ce que tu veux dire. Je suis pareil. Je me demande si je pourrais trouver quelque chose pour ta cheville. Reste là, Naomi, je vais regarder. Ok, merci. Ne me remercie pas encore, je n'ai rien fait. Où je veux, elle s'essoie dans la gueule. Ah, ça a l'air d'être bien. Itakire to hotai getto shita yo. Hai, jitto shite te ne. Elle a trouvé des bandages et tout. Arigato. Tasukaru. Ah, tu me sauves la vie ou je sais pas quoi. Et voilà, je l'ai merde. Je sais pas comment on dit. Enfin, je l'ai bandé comme je pouvais, en gros, quoi. Comment tu te sens? Ah, beaucoup mieux. Saiko, merci. T'as rien? Ah, j'aimerais bien avoir de la glace ou quelque chose comme ça pour la mettre dessus, je crois. Ah, ça va déjà beaucoup mieux maintenant, t'inquiète pas. Et tu vas dormir maintenant? Une Slumberland fourmi. Je sais pas ce que c'est. Naomi. Ah oui, je propose qu'à chaque fois qu'un perso meurt, la boue quitte le live. Oh non, quand même. Non, ça serait horrible. Après, il n'y aura plus personne. Naomi. Si on trouve Yoshida, qu'est-ce que tu vas faire avec lui? Hein? Bah, tu sais ce qu'il a dit quand deux personnes sont dans une situation difficile, ça crée de l'amour ou je sais pas quoi. Aussi tu meurs, tu quittes le live. Ok. Welcome Fegas, merci pour ton follow. Merci beaucoup et bienvenue. T'auras le courage de confesser tes sentiments et tout. Putain, elles sont en train de parler d'amour alors qu'elles sont coincées dans une école flippante avec des cadavres de partout et des restes humains dans lesquels elles ont marché dedans avec des trucs de pisse et tout. Et elles parlent d'un mec, quoi, parce que c'est beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant. Voilà. Ah, j'espère, je sais pas quoi, plus tard. C'est pas le moment pas de parler de ça, quoi. Ah, merci, blabla. Très belle traduction. J'espère qu'on va le trouver bientôt. Ah, changement de syllabe. Oui, je me rappelle un peu qu'ils étaient niés, mais je m'en rappelle pas trop de l'anime, mais c'est tant mieux, à part du début. Mais c'est tant mieux, parce que au moins ça évite que je me spoil toute seule.
Non, Pistol Live aussi. Personne croit c'est cool, mais dit des trucs bien, je sais pas. Faudrait que je m'excuse auprès d'elle plus tard. De quoi? Pas trop suivi. Fais des mots chelous. Et qu'est-ce que c'était que ça exactement? Ah désolé, c'est juste que quand je vois un... What? Quand je vois un aussi bon cul que le tien, ça me rend toute chose quoi, en gros. Et du coup elle fait des bruits dégueulasses de trucs comme ça derrière moi quoi. C'est trop bizarre. Et oui, on l'a oublié du coup. Un grand frère. C'est encore Lucas. Je l'ai entendu aussi. Faut qu'on aille voir. Tu restes ici et tu te reposes, d'accord? Je reviens dans pas longtemps. Je pense pas que ça soit une très bonne idée, oui, j'avoue. Il faut pas se séparer. Chris va mourir. Ah, j'insiste, c'est arrêt, ne t'inquiète pas, tu vas bien. Garde ton cul dans ce dans-ci, d'accord? Ok. Mais... ta cheville commence à aller mieux, donc voilà. Mais t'as fini, Samara, oui. J'ai plus de tête, là. Chris, mec, le tu kills Nao, super. ma cheville va vraiment mieux. C'est quoi, cool, c'est vraiment où il fait, je sais pas quoi. Ah, Madame Yu et les autres, Satoshi. J'espère qu'ils vont bien. Grumble. Je suis vraiment impressionné par cette réaction. Attends, c'est exactement le truc qu'on a eu au début. Qu'est-ce qu'il y a, ça marouille? Hé, hey, t'arrêtes de m'agresser, oui. Ah, sauvez-moi. Sois pas un trou du cul. Bon, ça, on l'a déjà eu tout à l'heure, pourquoi on a encore cette conversation? Je veux juste tous les voir. Mais pourquoi tout ça arrive? Du coup, on sort malgré... Oh merde, c'est fermé. La porte est fermée. Après, une autre inspection. Il n'y a pas de poignée, je crois. Du coup, on comprend pas pourquoi c'est fermé. Attends, mais si ça peut pas être fermé... Alors pourquoi ça s'ouvre pas? Oui, ma question. Ça ne bouge pas, c'est complètement fermé par les trucs invisibles, je sais pas quoi. c'est des enfants? C'est pas un enfant ça. Let's go to the trip pendant les vacances, je sais pas quoi. Quoi? Ah non? Qui parle? Oh merde, le jeu que j'ai d'un coup fait peur. Qui quoi? Ah, je ne peux plus sauvegarder, la bougie est éteinte! Ah, ma tête, ça me fait tellement mal! Ça sonne dans mes oreilles! Ah oui, pas de spoil les gens. Ah, la porte est toute recouverte de cheveux noirs qui la bloquent. J'ai des allumettes. Je peux pas y brûler. Il y a quelqu'un? Ah oui, la lampe s'est allumée sur le bureau. On dirait le bruit d'un crayon qui écrit sur du papier. En effet. Ça me repousse. Oh, c'est bizarre. Sachi. Est-ce que t'es venu me trouver? Oh putain. Qu'est-ce que... Oh putain, ça me fait peur. Ah,
Je dois sortir d'ici. Waouh, 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 qu'est-ce qui se passe? Oh là, ça me bloque. Ah! Non! 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 Oh god! Ouais, ça me prend tout le corps. C'est, y a pas de question de quoi? La mort est inévitable, ok. La porte. Vas-y, elle tient sur les cheveux, vas-y! Mais ses cheveux, ils viennent d'où? Ah, Dieu, aidez-moi! Est-ce que je pourrais utiliser les allumettes pour brûler les cheveux? Oui, c'est exactement ce que je voulais faire! Oui! Oh merde, les flammes sont pas assez puissantes. Ah, il y avait de l'alcool, je crois, dans un des placards. Putain, mais elle essaie de me bloquer! Bah, c'était pas là qu'il y avait de l'alcool? Rattle. Là, il y a des médecines. Oui, il y a une bouteille. Oui. Non! Non, non, non! Ick! Je me suis déjà fait toucher deux fois, hein. Oui! Alors, donc, je sperce de l'alcool sur les cheveux. Et après, j'allume une allumette pour brûler tout ça. À peine un petit peu. L'arme ultime. Oui, c'est bon. Sors, c'est fait. J'ai de la vie ou je sais pas quoi. Parce que je vais toucher deux fois quand même. Hein. Va allumer la bougie. Ouais, c'était peut-être pas trop le moment de se regarder. Hein. Je peux venir te tuer. À Japon, il y a toujours des chenards quelque part. Oui, mais toujours. C'est bien vrai, ça. Sous la panique, j'ai commencé à courir dans tous les sens. Je savais même pas où je courais. J'appelais le nom de Seiko encore et encore. Vous savez que c'est mort ou pas? Quand j'ai retrouvé mes sens, j'ai découvert que j'étais au troisième étage. Du coup, du troisième étage. Seiko! Doko ni iru no? Seiko, où es-tu? Seiko! Ne! Hitori ni shinai de! Ne laisse pas toute seule ici! T'es HP, t'es inscrit dans le menu, il me semble. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Si c'est toi? Ah, ça me repousse encore. J'ai peur! D'un coup, le jeu. J'ai peur. La porte est fermée de l'intérieur. Il y a quelqu'un pendu dedans. Il y a définitivement quelqu'un ici. C'est Seiko ? Seiko ! Pourquoi ? Pourquoi ? Non ! Elle est pas morte, elle est pas morte ! Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal pour qu'elle soit morte ? C'est quoi, tu as envie ? Attendez, on peut peut-être la sauver encore. Attendez, faut que je fasse un truc. Ah non, mais oui, mais il tire pas dessus. Ah désolé, qu'est-ce que je dois faire ?
Alors, le... ouais, la corde est attachée directement. Ah, y'a rien en dessous de ses pieds, faudrait mettre un truc en dessous de ses pieds, ouais. Y'avait pas un seau ou je sais pas quoi là? Si, oui, voilà. Oui, voilà, mets ça sous ses pieds. Allez, je suis en train de le vider, parfait. Erk! Ça me révolte, mais je. Ça me répugne, mais je dois sauver Seiko. Ah, y'a plein d'asticots sur mes mains et tout, sur mes pieds. Ouais! Seiko, je suis là! Le seau tombe des mains de Naomi. Tout le sang est complètement parti de son visage. Avec de grands yeux ouverts. Mais il me semblait qu'on pouvait faire des trucs pour que les personnages meurent pas. Il fallait que je fasse quoi pour qu'elle crève pas là? Je comprends pas. Non! Ou alors celui-là, on n'a pas le choix qu'il crève, c'est ça, non? Et de là, mais j'ai essayé! Non, Chris! Pourquoi tu t'es pendu? Tu rigolais, tu souriais tout le temps. Tu n'as pas dit qu'on trouverait un endroit pour sortir d'ici ensemble? Arrête! Ne me laisse pas toute seule! Je peux pas répondre, je suis morte! Dis quelque chose, Chris! Ah, il y a une petite voix qui rigole. Pour garder Chris en vie, il fallait tout explorer l'Irina dans une pièce et pas te faire toucher par le truc rouge infirmerie. Sérieux? Parce que je me suis fait toucher par le truc rouge infirmerie? Dans les chiottes, on ne se bat plus pour ce genre. Oh non! Trop de scrupules demandées. Quoi? Et je vais crever aussi, vous allez voir. Des esprits d'enfants, je ne peux pas bouger. Je ne peux pas parler. J'ai peur. J'ai peur. J'ai vraiment, 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 vraiment peur. Une grosse paire de ciseaux dans ses mains. Sa bouche was agape, je sais pas ce que ça veut dire. Ça fait un trou, je sais pas quoi. Tu s'es entendu tuer là, non? Attendez, je vais perdre deux personnages dès le début du jeu là. Je ne peux pas entendre aussi. Je sais pas comment c'était en train de le faire en fait. Mig, ils ont disparu. Qu'est-ce qui m'arrive? Bouche B. Je vais la retrouver après. Mais putain, mais mec, en fait, c'est parce que j'aurais pas dû me faire toucher par la créature dans les chiottes, c'est ça qui a tout foiré. Putain, je suis dégoûtée. Moi, je pensais que c'était par rapport à des choix et tout, là, c'est horrible, genre juste parce que j'ai pas été assez assez habile tout à l'heure. Là, non, non, stop, hein. Tu vas avaler une paire de ciseaux. Les esprits te font avaler la partie. Mais non, mais j'ai perdu deux personnages depuis le début. Mais non.
J'ai eu un game over ? Carrément ? Je peux même pas continuer le jeu, j'ai eu un game over, les gens ! Mauvaise fin, une sur deux.